Bonjour à toutes, suite à ma dernière vidéo sur mon feedback de l'utilisation du savon Lika's Papayas, je me suis rendu compte que s'il n'avait pas eu les effets escomptés, c'est parce que je m'étais procuré un faux et non un authentique. En effet, ce produit a tellement de succès qu'il circule beaucoup de fausses versions de ce savon. Et si vous ne connaissez pas les moyens de reconnaître un produit authentique, je vais vous donner quelques informations puisque maintenant j'ai en ma possession un savon original authentique acheté dans un magasin philippino, donc pas moyen de se tromper. Et donc suivez cette vidéo pour savoir comment ne pas vous faire avoir et comment savoir si vous avez le vrai ou le faux savon. Sur toutes les faces du packaging, vous devrez pouvoir remarquer un hologramme qui se réfléchit à la lumière. Doivent également être visibles la date de fabrication ainsi que la date d'expiration du produit. Sur le côté du packaging, vous devez voir un logo où il est écrit BFAD Approved. BFAD Approved, ça signifie Bureau of Food and Drugs. C'est le département de santé aux Philippines qui approuve toutes les cosmétiques qui sont mises en vente aux Philippines. Donc vous devez bien pouvoir voir le logo et le numéro qui correspond à cette approbation. Lika's a eu plusieurs awards, plusieurs récompenses et vous devez pouvoir retrouver ces logos sur le côté. Derrière du packaging, le code barre doit correspondre au numéro 48001881083185. Maintenant au niveau du savon lui-même, lorsque vous le sortez du paquet, vous devez observer plusieurs choses. C'est un savon de couleur orange foncé avec l'inscription Lika's ancrée sur la face avant. Et à l'arrière, vous avez le logo de Lika's qui est également inscrit. Et enfin, notez que le savon authentique doit avoir une odeur assez présente d'agrumes. Ou pour moi, cette odeur ressemble un petit peu à l'odeur du gingembre. Pour conclure, si vous possédez le vrai savon, vous devriez voir du résultat assez rapidement et voir vos taches s'estomper, votre teint s'unifier. Donc ne faites pas seulement confiance à la bonne foi des vendeurs, regardez ces éléments et surtout regardez le résultat sur votre peau. Merci de m'avoir suivi et à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!